Je ferme les yeux si lentement que je n'y vois plus rien. La nuit tombe plus vite que mes paupières, tandis que je pédale et les champs de blé noir deviennent champs de grenouilles. Le son est immense, le soir est infini, et les coassements diffractent l'espace autour de mon vélo, dont les roues teintent en disharmonie. Possible que cela les perturbe, les grenouilles niveau séduction? Alors l'écume sonore se retire à mon approche, je teinte, et elle revient de plus belle derrière moi, s'écraser sur le bitume. J'ai l'impression de pénétrer des vagues vivantes, vertes et noires, invisibles. Je ferme les yeux si lentement qu'ils deviennent des pierres polies, et faire marcher mon instinct est une question de survie dans le noir. Pour autant, je pourrais aussi bien en mourir, car je ne sais pas bien écouter. Quand apprend-on à écouter? Quoi? Quand apprend-on à écouter? Je dis dans le vide des chants de grenouilles en rut. Quoi? Faut-il tendre l'oreille ou se fermer? La technique, c'est quoi? Je demande pour entendre l'instinct. La fréquence, je cherche la bonne fréquence à écouter. Je pédale et je tourne le bouton FM dans ma poitrine. Je cherche la bonne fréquence, mais ça grésille. Quoi que je fasse, ça grésille. Comme si j'étais la seule humaine, la dernière de la vie. Alors je pédale, retrouver les miens, retrouver ma famille, écouter leur voix claire, et je colle mon visage à l'air frais de la nuit. J'avance plus vite que mes yeux, il me reste une mince fente aveugle, plissée, par laquelle une lumière jaune s'infiltre. Je serai bientôt arrivée, cela veut dire, je serai bientôt arrivée, je serai bientôt arrivée. Je serai bientôt arrivée, 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 je serai bientôt.